Donc, bienvenue à tout le monde qui arrive. Bienvenue, Jean et Anna, nos collègues qui sont là. Bienvenue. Qui nous ont regardés en anglais, puis là, qui nous regardent en français aussi. Ça va être un petit peu la même chose, mais si vous êtes ici juste pour celle-là, ben, ça va être plus intéressant, on s'entend. Celle-là en français, ça va être plus dynamique, puis ça va être mieux. Parfait. Amanda, je te donne une minute pour arriver ou est-ce que tu es là? Non, ça va. On peut commencer. Parfait. Ben, je vais commencer parce que les gens arrivent, mais on va enregistrer le webinaire au complet. Donc, pour les personnes qui veulent le voir en rediffusion, qui veulent le voir, ça va être sur nos YouTube. On va le partager sur tout le monde, sur tous les réseaux sociaux et tout. Donc, ça va être disponible de revoir du début. Donc, si vous arrivez, puis j'ai déjà commencé à parler, vous avez manqué cette partie. Ben, jusqu'à temps que vous avez rien manqué, jusqu'à maintenant, vous avez rien manqué. Vous avez manqué moi qui parle du fait que vous avez rien manqué. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour tout le monde. Bonne journée, Sig. Bienvenue au webinaire de Esri et de Moment Déterminant Canada. Raconté avec les cartes narratives. C'est la traduction que j'y ai donnée, moi. Je trouve que c'est vraiment très approprié parce qu'on a ici une journée SIG qui parle de cette technologie-là de cartes narratives qui est utilisée par mon organisme Moment Déterminant Canada, qui est un organisme de valorisation du patrimoine en histoire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on compte des histoires, on raconte des histoires. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce qu'Amanda, à qui je vais donner la parole dans quelques instants, va justement te parler de qui on est, Moment Déterminant. Mais je veux juste dire à quel point c'est approprié que ça soit avec Esri, avec Arabelle, à qui je vais donner la parole dans un petit peu plus longtemps. Aujourd'hui, on parle de ça parce qu'on parle de raconter des histoires. C'est ce qu'on fait nous autres avec la technologie Esri. C'est ce que vous faites, vous, Arabelle. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour venir attaquer le sujet de différents angles, avoir des différentes façons d'interagir avec le sujet. Nous, on le fait d'un point de vue historique, mais il y a plein de façons de le faire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est Amanda va parler de qui on est, nous, Moment Déterminant. Moi, en tant que responsable du contenu numérique de Moment Déterminant, en tant aussi que raconteur, ça fait 10 ans que je suis guide touristique un petit peu partout. J'en ai compté des histoires, même dans ma vie personnelle, j'en compte des histoires. C'est difficile de m'arrêter des fois. Donc, de ce point de vue-là, je vais vous montrer quelques cartes narratives qu'on a utilisées, nous, à Moment Déterminant Canada. Je vais vous montrer comment on s'en sert pour raconter, comment on utilise cet outil-là pour venir justement attaquer le sujet de différents angles. Après ça, on va retourner vers Amanda qui va parler du point de vue pédagogique. Comment un enseignant, comment un étudiant peut utiliser cet outil-là en classe, puis c'est quoi les avantages? Puis après ça, on va aller voir Arabelle qui va justement parler du point de vue technique derrière, dans le backstory un petit peu, comment qu'on fait les choses, comment le côté technique va aller. Donc, je vais justement, c'est moi donc la personne qui va dire les choses les moins intéressantes. Donc, je vais me dépêcher d'arrêter de parler. Puis je vais envoyer ça à Amanda qui va pouvoir se présenter elle-même et expliquer, je veux dire, d'où elle vient, mais professionnellement, d'où viens-tu? Parle-nous de toi. Merci Louis. Et bonjour tout le monde. Moi, c'est Amanda. Je suis coordinatrice de projet du projet Bryce à 100 ans. On ne va pas vraiment en parler aujourd'hui, mais vous pouvez quand même aller à notre site web pour voir qu'est-ce qui se passe avec le projet. Moi, je viens d'une dizaine d'années en salle de classe en tant qu'enseignante en Ontario, dans des contextes anglophones et à l'immersion française aussi, à Toronto. Et j'enseigne principalement dans les classes intermédiaires, l'anglais, l'histoire, la géographie. Et maintenant, je suis chez Moment Déterminant Canada. Nous autres, on est un organisme patrimonial canadien. On se consacre vraiment à commémorer les moments déterminants, comme on dit, de notre histoire commune ici au Canada. Et on veut vraiment partager les récits qui ont rendu ces moments-là significatifs. Et on veut, en ce fait-là, partager des micro-histoires. Donc, non seulement la macro-histoire qu'on sait peut-être déjà, mais vraiment des histoires qui sont largement non racontées. Donc, les histoires des individus, des communautés, des choses comme ça. Et notre premier projet portait sur la pandémie de la grippe de 1918. Et d'autres projets précédents ont été les récits de Juno, le jour VE75, Insuline à 100 ans et Hertzberg 50. Et nos projets actuels sont Bryce à 100 ans, le projet auquel moi je travaille, Tout pour Neuf, qui porte sur le mouvement syndical canadien et aussi Nobel canadien. Je pense que je vais repasser ça à toi, Louis, pour montrer
des cartes narratives sur notre site web et ensuite tu vas retourner pour parler un peu de comment utiliser les cartes en salle de classe. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste m'excuser parce qu'il y a eu la première neige ici à Brossard récemment, donc le chien du voisin fait des cours à l'extérieur et donc mes chats capotent un petit peu. Mais c'est la vie, hein, les chats ça capote, c'est fait pour ça. Mais je vais juste m'excuser si jamais on voit des petits flashs noirs qui passent derrière moi, c'est les petits hauts. Donc, moi, merci Amanda d'avoir parlé de qui est Defining Moments, le moment déterminant, puis des projets qu'on a faits. Je veux parler de ces projets-là, puis un petit peu expliquer comment nous, on s'est servi de cartes narratives. Moment déterminant Canada depuis le début, puis avec tous les projets qu'on fait, on travaille avec Esri pour utiliser la technologie SIG pour justement nous aider à raconter ces histoires-là. On en a fait de plein de différentes sortes. Je vais vous parler de deux sortes un petit peu de cartes qu'on a utilisées, nous. Premièrement, on a des cartes qui parlent de quelqu'un. On parle beaucoup d'histoires, souvent des micro-histoires. On a des projets comme le projet Jour VE 75, où on commémorait le 75 ans du Jour VE, donc la victoire en Europe de la Seconde Guerre mondiale. Et pour ce projet-là, on a fait plusieurs cartes qui montraient un petit peu le parcours d'un soldat, d'une infirmière, d'un aviateur. Puis ça nous permet d'avoir, justement, avec cette micro-histoire-là, avec la carte, avec la technologie SIG, de voir où ils sont allés, puis voir leur histoire de façon géographique. Je vous parle de ce projet-là pour vous montrer justement une autre carte, immédiatement. Mais je veux vous montrer un autre exemple de ça, mais qui est un petit peu plus gros. Donc, je vais partager mon écran à l'instant pour vous montrer ça. Je vais vous montrer la carte de ce Frederick Banting qu'on a faite pour le projet Insuline 100. Donc, on a commémoré le centenaire de la découverte de l'insuline. Et on a ici la carte narrative qui a été créée pour ça à propos de la vie de Sir Frederick Banting. Donc, un petit peu, c'est une micro-histoire. Comme on voit dans le jour VE, on voit l'exemple d'un soldat typique qui aurait vécu la guerre. Ici, on voit l'histoire d'un inventeur typique de l'insuline. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais lui, il en était un. Donc, c'est un exemple typique, un sur quatre personnes. Et on voit aussi l'histoire des autres. Donc, si vous regardez sur l'écran devant nous, j'ai les différentes sections un petit peu de la carte. Banting, sa vie avant l'insuline, une section complète à propos de son art, et après ça, Banting après l'insuline. À chaque fois qu'on rentre dans une carte, dans une section, on voit l'histoire qui est sur le coin gauche et la carte qui est sur le coin droit, qui va nous montrer avec la technologie SIG où s'est passée l'histoire. Donc, on voit ici que ça commence à London. On peut voir si on continue. On se rapproche un petit peu plus pour voir le bureau de Banting, la maison de Banting. Puis en descendant aussi, on peut voir non seulement, ben ici, ça continue à être des endroits, mais on a aussi des artefacts qui viennent. Donc, on voit les cartes. Mais si je vais voir, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, qui est l'exemple que j'ai montré en anglais ce matin, on peut voir où s'est battu Banting. Ben, je dis battu. Il faisait partie de la guerre, de l'armée, mais en tant que médecin. Donc, on peut voir comment cette expérience-là a vraiment façonné ce médecin-là, ce scientifique-là, qui a cherché à découvrir plusieurs différentes choses après, puis c'est l'insuline qui a fini par trouver. Donc, on peut voir la carte, mais si on continue aussi, tout d'un coup, on a un artefact qui vient, qui est des lettres, un petit peu un journal de ce qu'il a fait. Donc, pendant que quelqu'un est en train de lire l'histoire, on a immédiatement une stimulation visuelle de l'endroit où l'histoire s'est passée. Ça nous amène en Europe, ça nous amène à London, en Ontario, mais on a aussi une stimulation qui nous permet de voir justement l'artefact qui est mentionné dans l'histoire. Donc, en tant que raconteur, ce qui est important, c'est qu'on est capable de raconter l'histoire de Banting, l'histoire de la découverte de l'insuline, en engageant la personne qui écoute l'histoire. Si je raconte une histoire puis la personne n'est pas engagée, la personne ne se sent pas impliquée dans l'histoire ou la personne ne ressent aucun lien avec l'endroit ou avec la personne, on va perdre l'auditeur de notre histoire. Donc, c'est vraiment intéressant ici. À place de juste lire un article, on a un article qui est dynamique, que nous, on contrôle. On peut immédiatement voir les endroits. London, par exemple. Moi, je ne viens pas de London, mais je suis déjà allé là parce que j'ai un ami qui vient de là. Donc, on peut voir sur la carte. Là, je me dis, ah ouais, OK, je comprends un petit peu c'est où. On peut voir la différence, évidemment, avec l'Europe et London, mais aussi avec les différents endroits où sont passées les choses. Donc, je trouve que c'est vraiment un exemple assez emblématique parce que c'est une carte qui nous permet d'explorer l'histoire d'un événement par une personne. Puis la carte narrative nous permet d'attaquer cette histoire-là de façon super intéressante parce qu'on peut voir
non seulement les endroits où les choses se sont passées, on peut voir des images, on peut voir, puis on peut naviguer comme on veut. Donc moi, j'ai navigué en haut ici, mais j'aurais pu aussi naviguer avec l'aide de la carte, avec l'aide des artefacts, voir un petit peu les différents endroits, les différentes choses qui viennent colorer un petit peu l'histoire. Donc c'est une carte qui est quand même assez grande, mais on a aussi plusieurs petites cartes comme ça qui pourraient avoir seulement 5 ou 6 points sur une carte qui montre le trajet, par exemple, d'un aviateur durant la guerre. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour vous en montrer une autre. Puis la raison que je change, c'est que je veux changer le type de partage parce que cette fois-ci, je veux ajouter le son. Les cartes narratives, c'est quelque chose qui nous permet de voir évidemment visuellement les artefacts des différentes choses qui sont là, mais on peut aussi ajouter plusieurs différentes fonctionnalités. La carte que je vous montre ici, c'est la carte narrative pour notre projet Tous pour Neuf et Neuf pour Tous, qui est intitulé Dignité pour nos travailleurs. Ce projet-là, c'est un projet d'histoire du travail qui vient à la base d'un moment en 1872, comme on peut voir dans le sous-titre, le mouvement syndical canadien de 1872 à aujourd'hui. Ce moment-là, c'est quand on a eu des grandes manifestations pour des gens qui demandaient une journée de travail de 9 heures. Ils ne voulaient pas travailler plus, ils voulaient travailler moins. Aujourd'hui, la journée de travail moyenne ou une journée de travail à temps plein, on parle de 9 à 5, on parle de 37 heures semaine. À l'époque, il n'y avait aucune régulation, aucun règlement. Donc, ces travailleurs-là ont commencé des mouvements syndicaux pour justement demander une journée plus courte, des meilleures conditions de travail. Et nous, on fait un projet là-dessus qui s'est étendu sur l'histoire du travail canadien. Donc, la carte narrative qu'on a ici, c'est très différent de celle que je viens de vous montrer. Ce n'est pas l'histoire d'une personne, mais c'est l'histoire d'un mouvement au Canada pendant 150 ans. Pendant 150 ans, un mouvement partout au pays. Donc, la raison que je voulais mettre play, puis là, je vais arrêter de parler pour vous montrer ça, c'est qu'on a sur cette carte-ci un audio immersif. On parle de mouvements syndicaux. Donc, pendant qu'on regarde la carte, on encourage les personnes à écouter cet audio que je vais jouer. Je ne vais pas jouer les 28 minutes au complet, là, mais c'est une audio immersive qui montre, c'est le bruit d'une usine, c'est le bruit de travail, puis ça va venir nous mettre un petit peu dans ce contexte-là. Donc, une autre façon qu'on se met dans l'histoire avec cette carte narrative-là, puis là, je vous la montre. Il y a deux façons de voir la carte narrative, ou il y en a plusieurs, mais moi, je vais vous en montrer deux. Premièrement, si vous regardez ici à la gauche, on a les moments chronologiquement des grèves ou des mouvements syndicaux, un par province, qui sont chronologiques ici, qui nous permettent d'aller voir cette histoire. Par exemple, si je clique sur Manitoba, ça m'amène sur la carte au Manitoba. Ça me parle de la grève générale de Winnipeg, ici, un petit paragraphe seulement, et un petit vidéo YouTube. Donc, on ajoute du multimédia, on ajoute des différentes façons d'entrer dans l'histoire. C'est une courte histoire, mais qui parle de justement ce qui s'est passé à Winnipeg ce moment-là. Si ça me tente, je peux continuer chronologiquement, me rendre à la prochaine. Et là, on est rendu en Nouvelle-Écosse en 1925, le jour de souvenir des mineurs. Donc, on a notre petite histoire et on a un contenu multimédia qui est à côté. Vous remarquez, la carte s'est tassée en Nouvelle-Écosse parce que c'est la prochaine place chronologiquement. Mais ce que je pourrais faire aussi, c'est le faire géographiquement. Donc, je pourrais aller voir à côté de la Nouvelle-Écosse, qu'est-ce qu'on a? On a St. John's à Terre-Neuve. Je m'en vais ici, donc Saint-Jean-Terre-Neuve, tout d'un coup, on est en 1992, l'effondrement de la pêche de la morue. On a notre photo, on a notre explication de ce qui s'est passé et on a un vidéo qui vient amener un contenu multimédia pour le faire. Donc, il y a des façons, comme on le veut, de naviguer cette carte-là. Ce qu'on veut représenter, nous, dans cette carte-là, c'est l'histoire du mouvement syndical, de mouvements syndicaux au Canada. C'est l'histoire du travail au Canada. Puis on peut le faire chronologiquement d'un côté, on peut aller naviguer la carte. C'est très, très, très interactif et intuitif. L'étudiant ou la personne qui veut interagir avec cette histoire-là le fait un petit peu à sa manière. Donc, ça permet à un étudiant, puis là, je ne vais pas trop rentrer dans la technique pédagogique de ça, parce que Amanda va en parler, mais ça permet à un étudiant d'un petit peu suivre son nez, d'aller voir ce qui tout d'un coup lui l'intéresse. On peut faire comme j'ai fait moi, je suis passé du Manitoba à la Nouvelle-Écosse chronologiquement, mais là, quand j'étais rendu en Nouvelle-Écosse, je me suis dit, mais je veux voir ce qui se passait à côté. Puis là, tout d'un coup, je peux passer au géographique, puis aller voir, puis un petit peu sortir de l'ordre chronologique, puis juste aller voir ce qu'il y a là,
je peux suivre en ordre. Moi, je suis un étudiant où j'étais un étudiant, mais je suis quelqu'un qui suit les choses vraiment en désordre. Je suis content que ma caméra me filme moi et non la surface de mon bureau parce que ça serait un petit peu gênant peut-être. Mais je suis quelqu'un qui existe dans le désordre. Tout d'un coup, je vois ci, je vois ça, je suis comme un écureuil. Puis une carte comme ça me permet vraiment de faire ça. Donc ça, c'est la carte vraiment pour le projet Tous pour Neuf. Je vais arrêter mon partage pour vous revenir. Mais c'est vraiment, je veux vous montrer ces deux exemples-là qui montrent comment nous, à Moment Déterminant Canada, on se sert de cette technologie-là pour venir chercher des différentes façons de compter les histoires, pour venir chercher des personnes qui vont apprendre différemment et vraiment avec un contenu multimédia, un contenu dynamique, un contenu interactif. Là, je vais arrêter avec les buzzwords parce que je vais envoyer ça à Amanda qui en a plusieurs, mais du point de vue pédagogique. Moi, à Moment Déterminant Canada, je suis le responsable du contenu numérique. Je suis raconteur, c'est moi qui fais les vidéos, les choses comme ça. Donc, je peux vous parler vraiment du contenu, mais notre experte en éducation, c'est Amanda. C'est elle qui vient me corriger sur le contenu pédagogique. Donc, je suis certain que c'est ça qu'elle va faire, me corriger non, sur jamais. Certains débuts j'ai fait. Donc, je te le relance, Amanda. Merci beaucoup, Louis. Moi, je vais partager quelques idées sur les avantages d'utiliser les cartes narratives en classe. Et aussi des incitations à s'engager dans nos cartes et aussi à aider les élèves à créer les leurs, leur propre carte narrative. Et c'est Arabelle, en fait, qui va partager comment faire ça, the back end, as you will. Comme moi, je ne vais pas partager ça, je vais simplement partager des idées que moi, comme enseignante, j'ai en tant que utiliser nos cartes à nous dans la salle de classe ou créer votre propre carte avec vos élèves. Alors, si vous voulez étudier une de nos cartes, par exemple, Tous pour Neuf, les élèves pourraient se concentrer sur différents moments de provocation, donc la grève à Winnipeg ou la grève sur l'île du Prince-Édouard et en groupe ou de façon individuelle. Vraiment choisir un moment qui leur intéresse et leur donner le choix d'étudier quelque chose, mais en tant qu'une grande salle de classe, tout le monde étudie quand même le mouvement syndical au Canada. Et si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi prendre le temps de demander, si nous, on crée une carte comme ça, qu'est-ce qu'on aimerait avoir sur la carte? Alors, Louis Lebel, à Moment Déterminant Canada, il a choisi cette photo. Ce n'est pas nécessairement Louis, mais on va dire que c'est Louis. Cette photo-là pour la grève, mais moi, si j'avais le choix d'une photo, seulement une photo, ça serait quelle photo, moi? Et les élèves pourraient se parler un peu de, mais comment qu'on choisisse, comment qu'on détermine qu'est-ce qui est important pour moi ou c'est qui l'audience, comme quel feeling que je veux qu'il va avoir quand il regarde à cette photo ici ou quand il pense à la grève. Alors, il y a un moment pour analyser, pour voir, pour apprendre le contenu, mais aussi pour s'impliquer un peu dans la création de la carte pour que quand ils ont le choix, l'opportunité de créer leur propre carte, ils ont déjà commencé à penser à ces questions-là. Et les élèves, ils adorent ça. Ils aiment toujours penser à « mais moi, si j'avais le choix de Dieu » ou « si je choisis une vidéo sur le YouTube, ça serait quelque chose d'autre ». Alors, c'est vraiment une bonne manière de leur impliquer et leur donner le choix aussi. Il y a vraiment une différenciation qui se passe quand on peut s'engager dans les différents éléments. Sur la carte Tous pour Neuf, par exemple, on peut donner le choix d'enrichir l'expérience. Alors, tout le monde doit lire, par exemple, les paragraphes, mais ça peut être le choix de regarder les vidéos ou non, ou d'écouter le son ou non. Donc, ça peut donner plus de choix aux élèves. Qui peuvent aussi suivre leur propre rythme ou, comme Louis a dit, leur nez. Ils peuvent sauter en avant, ils peuvent choisir de traverser la carte de façon chronologique ou de façon d'intérêt, où ils vont commencer quelque part qu'ils connaissent et là, aller quelque part d'autre qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'indépendance. Et je pense aussi, quelque chose qui est important quand on parle des cartes, c'est qu'on peut vraiment perturber nos idées sur les cartes et la façon qu'elles sont faites. Ça fait vraiment bousculer les élèves de penser que les cartes ont un créateur. Ça n'arrive pas comme déjà fait. Les cartes, il y a quelqu'un qui les crée ou l'ordinateur qui les crée, mais il y a une personne qui aide l'ordinateur à faire ça.
Et je pense que c'est vraiment un bon moment quand on regarde une carte comme les cartes narratives sur notre site web ou quand les élèves ont la chance de créer une carte eux-mêmes, de penser à ça. Quelqu'un a fait un choix, par exemple, d'un titre, des images. Quel moment à incorporer? Comment on a choisi ça? Pourquoi c'est important? Et là, il y a aussi des compétences technologiques qu'ils peuvent transférer à d'autres cartes aussi. Alors, Google, par exemple, tous les élèves utilisent quelque chose comme Google et non les cartes sur papier, même s'ils sont très beaux. et ils peuvent commencer à demander des questions comme comment une compagnie ou un cartographe représente des frontières contestées ou comment qu'on fait des choix. Comme ça, pourquoi une carte du Canada inclut ou non les noms autochtones des différentes villes, par exemple. Et on peut commencer à réaliser ensemble avec les élèves que c'est toujours des choix qui sont faits sur les cartes. Et je pense que c'est vraiment une conversation que les élèves aiment avoir et qui peuvent supporter, comme j'ai dit, une transférence dans les compétences technologiques. Et aussi qu'on peut penser avec les élèves à l'organisation de l'information et des données d'une façon numérique, qui c'est très important pour eux à cet instant ici. Il y a aussi la narration visuelle et on peut penser à une carte narrative comme un organisateur graphique, comme on organise l'information pour les élèves ou on leur demande d'organiser pour nous. Et là, ils doivent faire des choix. Et c'est plus engageant, je pense que les élèves aiment ça, qu'il y a une curiosité, mais aussi c'est important pour une pensée critique de s'engager comme ça dans une activité comme une carte narrative dans la salle de classe. Il y a aussi pour ceux qui enseignent l'histoire, les grands concepts de la pensée historique. Pour nous, nos cartes sont historiques. Penser, comme j'ai dit, à la signification, mais aussi les sources primaires, comment le cartographe a choisi. Et même si c'est nous, moment déterminé au Canada, qui est le cartographe, on peut toujours demander avec nos élèves, mais pourquoi ils ont choisi ces sources-là? Comment est-ce qu'on peut déterminer sur un site comme YouTube? Quelles vidéos sont celles qu'on aimerait utiliser et pourquoi pas d'autres? Et comment est-ce qu'on peut déterminer c'est quoi des sources primaires qui ont de la valeur pour nous et quelles ne l'ont pas? On peut aussi identifier la continuité et le changement entre les différents sites, par exemple, de grève ou chronologiquement. Donc, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui change? Et je pense que c'est vraiment une bonne chance de faire ça dans la salle de classe d'histoire. Et ça, je pense que c'est plus intéressant que de lire au sujet des grands concepts de la pensée historique. Et parfois, je pense que c'est difficile à trouver des méthodes vraiment multimédia pour s'engager avec les élèves sur ça. Si vous voulez créer de nouvelles cartes avec vos élèves, je pense que premièrement, c'est juste amusant pour les élèves. C'est une source de joie dans la salle de classe d'être capable de faire des projets comme ça. Il y a vraiment l'espace de s'engager dans la résolution de problèmes. Donc, OK, je veux faire une carte au sujet de quoi? Je vais choisir mon audience, c'est qui? Il y a une conscience des autres. Alors, comment mon audience aimerait apprendre au sujet de les grèves, par exemple. Faut choisir comment organiser les données, lesquelles ne pas inclure. Et s'il y a une audience authentique, par exemple, en place de faire des arbres généalogiques dans la salle de classe, on pourrait raconter l'histoire de notre famille et l'audience, c'est notre famille. On peut vraiment personnaliser l'expérience de ces questions-là, de réfléchir sur mais comment ma mère ou ma sœur ou mon oncle aimerait apprendre au sujet de ça. Et ça donne vraiment, je pense, un moment d'inspiration aux élèves et de personnaliser l'expérience. Et aussi de penser à quoi inclure, quoi exclure, qu'est-ce qui est important. Et si les élèves peuvent travailler ensemble, collaborer un peu sur ça, soit ils font des projets différents ou le même projet, c'est vraiment intéressant d'avoir une conversation ensemble. Pourquoi toi, tu trouves ça important, mais moi, je trouve ça pas important pour moi? Comment on peut réfléchir ensemble à nos valeurs en tant que personne ou
pourquoi on veut inclure quelque chose, ou peut-être moi j'apprends d'une façon différente que toi. Alors pour moi, c'est vraiment important d'avoir des images, mais pour toi, c'est t'aimerais avoir une chanson à chaque étape pour écouter un peu ou pour la nostalgie ou quelque chose comme ça. Et aussi, on demande aux étudiants de créer des liens entre différents moments. Donc, s'ils organisent l'information, il faut aussi dire, mais pourquoi tu veux inclure ces deux points-là sur la carte? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans la même carte? Donc, ils deviennent raconteurs. Et je pense que c'est vraiment... ils ont beaucoup de pratiques dans le monde numérique d'être raconteur, mais pas toujours avec l'aide d'un adulte ou pas toujours avec la pensée critique au sujet de les caractéristiques de qu'est-ce qu'ils veulent inclure. Alors, je pense que c'est vraiment important de pratiquer ça ensemble. J'ai des exemples de comment on pourrait utiliser ça en salle de classe. Ça, c'est juste les idées que moi, j'avais eues. Moi, je ne suis pas dans une salle de classe à l'instant et ça me manque beaucoup. Alors, quelques idées que moi j'ai eues, c'était qu'au début de l'année, on veut toujours mieux connaître nos élèves. On veut qu'ils se connaissent et au lieu de donner genre une présentation pour 2 minutes où ils disent un peu à leur sujet, ils pourraient raconter leur histoire comme les lieux importants dans leur vie avec une carte narrative, choisir une chanson, par exemple, pour chaque étape, une photo et l'audience pourrait être les autres élèves dans la classe et toi en tant qu'enseignant, ils pourraient aussi montrer à leurs parents, ils pourraient créer une carte au début de l'année, une carte à la fin de l'année, comment j'ai changé comme personne, est-ce qu'il y a des nouvelles places dans ma vie ou des nouvelles personnes, des nouvelles chansons, il y en a toujours. alors c'est un exemple de comment on pourrait personnaliser un projet comme ça. On pourrait aussi cartographier un roman. Alors, moi, j'enseignais l'anglais, on fait toujours la lecture ensemble. Faire une carte d'un personnage, le voyage d'un personnage ou bien même un auteur, comme on pourrait choisir, on parlait plutôt de Gabrielle Roy, donc sa vie à elle au Manitoba, au Québec, mais aussi les livres qu'elle a écrits et où se passe-t-il et qu'est-ce qui se passe dans les livres? Est-ce qu'il y a des liens entre sa vie et entre les lieux dans chaque roman qu'elle a écrit? On peut toujours faire quelque chose de plus traditionnel dans la géographie, comme les changements de température, la migration, les changements de population, des choses comme ça. J'ai eu la chance d'être dans une présentation qui était vraiment, vraiment intéressante récemment, et on parlait d'un projet qui s'est passé dans un cimetière local, où les élèves avaient chacun une personne qui était dans le cimetière et ont fait un projet de recherche. Et je pensais que ça serait vraiment intéressant de créer une carte narrative après ça, que chaque élève pourrait, ou en petit groupe, ajouter quelqu'un à la carte et créer, cartographier le cimetière local et ajouter des informations et collaborer ensemble sur chaque micro-histoire, disons. Mais là, à la fin, ils vont voir la macro-perspective de l'histoire de leur ville, l'histoire de leur ville. Et je pense que ça serait vraiment intéressant de faire ça. Je pense que c'est tout pour les exemples que j'avais. Je pense qu'il y a tellement de choses. On a aussi parlé un peu des vaccins. Comme on parlait de notre projet d'insuline, on pourrait aussi, en classe de sciences, raconter l'histoire du développement du vaccin contre la COVID, par exemple, et comment il y a des personnes autour du monde qui travaillent sur ça, pour comment longtemps, il y a vraiment une collaboration scientifique, une communauté scientifique, ça ne se passe pas comme un homme génial dans une place, dans sa chambre, qui va inventer quelque chose, pour aussi contribuer à la connaissance autour de la science et non juste la science pure. Je pense que c'est tout pour les idées. Je sais que je vous ai donné comme beaucoup de suggestions à la fois, puis on ne peut pas se parler ensemble, mais si vous voulez, vous pouvez toujours vous connecter à nous à un moment déterminé à Canada et on pourrait se parler de vos idées ou si vous voulez en savoir plus sur nos cartes et comment l'utiliser en salle de classe, on pourrait aussi vous parler de ça. Alors, n'hésitez pas. Je pense que c'est tout pour moi. Est-ce qu'on passe à Arabelle maintenant? OK. Merci.
Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Arabelle. Je suis chez Estrie Canada et je fais partie de l'équipe milieu scolaire et recherche. Donc, mon travail chez Estrie Canada, c'est d'aider tout le monde au primaire, au secondaire à utiliser, dans le fond, les outils Estrie, les outils SIG, à les utiliser en enseignement et donc avec les jeunes en classe. Voilà. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Alors moi, contrairement à ce que... Est-ce que c'est beau ce qu'on voit bien, la narration grâce aux cartes narratives? Oui. Oui. Alors moi, je suis allée avec ce choix de traduction là. Et alors, des fois, dans la traduction, il y a des petites nuances. C'est comme lui et moi, on s'était pas parlé. Alors, on a deux variations d'une traduction. Alors, dans le fond, avec moi, on va regarder un peu ArcGIS Story Map, puis comment créer des cartes narratives. J'ai d'ailleurs l'exemple de la dignité pour nos travailleurs qu'on va regarder un peu, comment rajouter un peu le contenu de cette carte narrative-là en particulier. Alors, aujourd'hui, vous allez découvrir comment vous et vos élèves allez pouvoir créer des cartes narratives et on va apprendre ensemble comment accéder gratuitement aux différents logiciels, comment avoir du support technique et de l'accompagnement et puis de voir un peu les ressources éducatives que de notre côté chez Estrie Canada, on met aussi à votre disposition qui sont accessibles gratuitement pour tout le monde. Voilà. Donc, tout de suite en commençant, Utiliser Story Maps, on va prendre un petit moment techno. Alors, ce qui est le fun avec l'application ArcGIS Story Map, c'est que ça vous permet de créer, mais aussi de consulter les cartes narratives sur Internet, que ce soit, et vous pouvez le faire, que ce soit d'un ordinateur, d'une tablette, d'un appareil mobile. C'est sûr que si vous créez à partir d'un appareil mobile, c'est peut-être un petit peu petit, mais ça serait possible. Mais je vous conseillerais peut-être pour la création d'y aller avec la tablette ou l'ordinateur. Alors, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Créer une carte narrative. Alors, première étape quand vous commencez à créer une carte narrative, donc si on se réfère un peu à celle que Louis nous a présentée plus tôt, notre première étape, c'est de se demander qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que je vais raconter? Alors, de commencer à réfléchir sur quel sujet on va aborder, qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va vouloir aller chercher pour appuyer notre sujet? Est-ce qu'il va y avoir des images intéressantes? Est-ce qu'il va y avoir des vidéos intéressantes? Est-ce qu'on va vouloir inclure du multimédia, de l'audio? Quel type de cartes on va créer qui vont nous permettre d'être vraiment bien, dans le fond, de permettre à notre auditoire d'être vraiment immersé dans l'histoire puis dans la carte narrative? Alors, la première étape, c'est de réfléchir, planifier, faire ses recherches. Donc, on réfléchit, on planifie, on commence à chercher notre information, on trouve les textes. On peut même, idéalement, c'est une bonne idée de commencer à rédiger, faire sa rédaction de texte, peut-être dans un document Word. C'est vraiment tout ramasser l'information qu'on va vouloir mettre dans notre carte narrative. Il faut considérer que la carte narrative elle-même, c'est plus comme un document de communication. Que l'endroit où on met tout sans l'avoir en... C'est bien de l'avoir à côté, dans un endroit sécuritaire. Donc, quand on a toutes nos photos, nos liens, que ce soit des photos sur Internet ou que ce soit des photos qu'on a sur notre ordinateur, bien, tout conserver ça dans le même dossier pour qu'on puisse y avoir accès facilement. Et puis, qu'on puisse aussi garder la trace de nos sources. Et évidemment, toujours une priorité de savoir d'où vient notre information. Que ce soit une information écrite pour laquelle nous, on va écrire, c'est important de savoir qu'est-ce qui nous a inspiré, d'où vient le contenu, à moins que ce soit un témoignage personnel. Autrement, vous avez probablement lu l'information quelque part, vous et vos élèves, évidemment. Donc, voilà. Maintenant, je vais tout de suite sauter dans le vif du sujet. Je vais vous faire une petite démonstration de ce que c'est de faire une carte narrative et de comment on s'y prend. Alors, tout de suite, vous arrivez sur ArcGIS Online, qui est la plateforme. Alors, on se connecte. Je vais aller de ce pas me connecter. Moi, j'ai 92 comptes potentiels. Alors, on va y aller avec celui-là.
on se connecte. Alors là, c'est l'exemple, par exemple, si vous êtes connecté en tant qu'élève ou enseignant-enseignante dans une école québécoise publique, alors vous arrivez ici, on s'en va rejoindre notre petite gaufre applicateur, lanceur d'application, et je rentre tout simplement dans RGIS StoryMap. Alors, j'y suis et je vais aller faire un nouveau récit. Je vais partir ça d'un modèle vierge. Alors, je pars et là, j'arrive directement dans ma carte narrative. Alors, au début, je n'ai rien. Alors, voyez-le dessus. Moi, j'ai déjà un autre document à côté. J'ai déjà mes photos à portée de main. Alors, je vais aller rajouter mon titre. Alors, pour cette carte narrative-là, je vais y aller avec Dignité pour nos travailleurs et, dans le fond, mettre un petit sous-titre. On va y aller avec tel qu'on a vu un peu tout à l'heure, le mouvement syndical canadien de 1872 à aujourd'hui. Alors là, ça nous prendra une photo pour animer tout ça. Alors, j'ai juste à cliquer ici, ajouter une image ou une vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la carte narrative que j'avais ici pour vous aujourd'hui, j'ai une vidéo d'un petit feu de camp parce qu'on se raconte des choses autour du feu de camp. Mais dans celle-ci, je vais y aller pour une image. Alors, je clique ici. Alors, tout de suite, j'ai l'option d'aller charger mon image. On va aller parcourir ça. Et est-ce que je suis dans le bon endroit? Je crois bien que oui. Alors, voilà. Et je vais y aller avec cette image-ci que j'avais déjà présélectionnée et que j'avais déjà bien établie dans mon dossier pour y avoir accès facilement. Alors, ici, j'ai une image de foule. Alors, je peux aller ici réorganiser où est-ce que je veux qu'on centre l'image. Alors, je fais tout simplement baisser un petit peu. Et j'ai un espace pour mettre mes attributions. Parce qu'on veut dire, peut-être qu'on veut décrire c'est quoi l'image, d'où vient l'image, qui a pris l'image. Alors, dans ce cas-là, j'ai ma description. Alors, cette image-ci, l'attribution ne veut pas que je fasse copier-coller, alors on va écrire. Alors, c'est la foule devant l'édifice de la Union Bank of Canada, devant l'édifice de la Union Bank of Canada. Et ça, ça se trouve... c'était sur la rue Maine pendant la grève. Donc, je vais mettre grève générale. Grève générale du 21 juin 1919. Et là, je vais ici aller sélectionner. En fait, on va rajouter une information. Cette image-là a été gracieusement fournie par... le LAC. Donc, mettre un point. Et je vais aller mettre le site web de référence à cette image-là. Comme ça, quand on va voir ça. Alors ici, j'ai sélectionné mon texte et je vais copier-coller mon site web. Et là, j'ai tout de suite la possibilité de mettre à jour, donc de faire des modifications. Puis je peux même tester le site web en cliquant à côté et voir ce qui s'ouvre. Et voilà. Alors là, j'ai le bon site web. Je peux voir que j'ai la même image. Et je fais enregistrer. Et maintenant, cette information-là se retrouve ici. Et je peux cliquer aussi. Alors, évidemment, ça, c'est pour cette information-là, mais si c'est une image à vous, vous pouvez dire que c'est une image à vous, mais si vous prenez une image de quelqu'un d'autre qui vient d'Internet, bien, c'est important de mettre les références. Alors, j'ai un titre, j'ai mon sous-titre. Maintenant, on va aller rajouter un peu de texte. Alors, si vous cliquez ici sur le plus, vous avez accès à l'ensemble des outils, à l'ensemble des objets que vous pouvez rajouter dans votre carte narrative. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter un bouton qui mènerait vers un site, vous pouvez rajouter un séparateur. Vous pouvez rajouter évidemment une carte, image, une bibliothèque d'images. Vous pouvez rajouter une vidéo, piste sonore. Vous pouvez rajouter une intégration. Alors, une intégration, c'est un site web qu'on intégrerait dans la carte narrative. Et dans ce cas-là, vous pouvez aussi rajouter une autre carte narrative si vous voulez. Alors, vous pouvez avoir une carte narrative dans une carte narrative.
Vous pouvez rajouter un balayage, qui est une comparaison entre deux objets, soit une image ou soit des cartes. Une chronologie et d'autres contenus immersifs, tels que des diaporamas, compartiments latéraux ou le map tour. Alors là, pour l'instant, on va rajouter du texte. On va se mettre un paragraphe, mais vous avez plusieurs types de textes. Alors, dans ce cas-là, on va écrire du texte sous forme de paragraphe, mais ça pourrait être un titre, un sous-titre, un paragraphe long. Alors, tout ça change un peu l'esthétique de votre texte en fonction du type que vous sélectionnez ici. Alors, moi, je vais rajouter un texte que j'avais déjà préparé. Alors, qui est ici le texte de la carte narrative sur la dignité pour nos travailleurs qui a été produite par Moments Déterminants Canada. Alors, je l'ai ici rajouté dans ma carte narrative. Je vais juste vous montrer, si j'en sélectionne une partie et que je décide que cette partie-là, au lieu d'être tout simplement paragraphe, elle est paragraphe long. Alors, paragraphe long, ça change l'esthétique. Je pourrais l'avoir en termes de citation. Dans ce cas-là, j'aurais une barre et ça met les choses en italique par défaut. Et voilà. Pour le reste, on verra plus tard. Alors, j'ai mon titre, j'ai un sous-titre, j'ai une image. Maintenant, rajoutons une autre section. Alors, rajoutons une section spécifiquement sur la grève générale au Québec en 1972. Alors, on va aller dans le texte et nous rajoutons un titre. Alors, ce titre sera Québec, grève générale 1972. Et je vais maintenant rajouter une petite vidéo qui provient de YouTube. Alors, j'avais ici dans un autre onglet une vidéo ouverte. Alors, la vidéo ici, on va dire non merci. La vidéo ici, c'est justement en 1972, des grévistes québécois du Fonds commun s'expriment. Alors, ça vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Archives RC. Alors, ce sont les archives de Radio-Canada. Alors, je sais que c'est une vidéo quand même avec une certaine fiabilité. C'est des vidéos d'archives. J'ai même la source exacte, alors j'ai le format de la vidéo, j'ai la date exacte à laquelle la vidéo a été filmée, j'ai le nom du journaliste et j'ai de l'information supplémentaire en cliquant sur un lien. Alors, je vais rajouter cette vidéo-là à ma carte narrative, puisque c'est de cette grève-là dont il s'agit. Alors, je copie le lien vers la vidéo et je vais aller l'insérer ici. Alors, ajouter une vidéo, je clique sur « Lien ». J'aurais pu prendre une vidéo que j'ai sur mon ordinateur, mais dans ce cas-ci, je prends une vidéo qui se trouve sur Internet. Alors, je viens mettre le lien de ma vidéo tout simplement ici et je dis « Ajouter ». Alors, j'ai maintenant ma vidéo. Maintenant, on va aller rajouter quelques informations sur cette vidéo. Alors, encore une fois, je viens ici. J'ai l'option ici de mettre du texte de remplacement. Alors, le texte de remplacement, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur des vidéos ou sur n'importe quel contenu visuel si on veut fournir de l'information pour qu'une personne qui n'aurait pas une habilité de bien voir ce qui se passe à l'écran puisse avoir l'information. Alors, ici, je vais aller rajouter des informations qui sont des informations de type attribution. Alors, je vais mettre la date, 26 avril 1972, le journaliste qui a fait cette vidéo-là, c'est François Perrault. Et finalement, je vais aller mettre l'hyperlien pour pouvoir accéder aux informations supplémentaires qui étaient disponibles sur le site de Radio-Canada. Alors, je les avais déjà ici. Alors, j'ai ici mon lien et je vais aller mettre. Et si on ouvre. Oui. Accéder au site. Alors, si on ouvre, ça nous amène, ces informations-là nous amènent sur le site de Radio-Canada. Et là, on peut lire tout un document précisément entourant cette vidéo. Alors là, je viens de bonifier de beaucoup mon information en ayant cette petite vidéo. Ensuite,
je peux rajouter une intégration. Donc, tantôt, je mentionnais qu'on avait la possibilité de mettre des sites web. Alors, on y va ici. Alors, si je mets une intégration, je clique ici. Encore une fois, là, je peux mettre un site web. Là, je vais mettre un site web, justement, de Moment Déterminant Canada. Alors, ajouter. Et quand je fais une intégration, en fonction du site web, j'ai souvent j'ai plusieurs possibilités d'affichage. Alors, et ça, c'est valide aussi pour la vidéo, où est-ce que je peux soit afficher en l'ayant à côté ou en l'ayant plein, ou en l'ayant en lien, ou en l'ayant à côté du texte, d'un autre côté du texte, en plus grand, en plus petit, en moyen. Alors, ici, même chose, je peux l'avoir ici en carte, je peux l'avoir en site web, puis une fois que quand j'ai le site web d'intégrer comme ça, je peux décider du format. Alors, même chose ici. Une fois que j'ai plusieurs éléments comme ça, je peux toujours réorganiser mes éléments en les glissant tout simplement un à côté de l'autre. Alors, quand je mets ma souris comme ça qui survole, j'ai accès aux petits points et en cliquant là-dessus, là, je peux glisser et réorganiser. Je vais aller rajouter quelques photos. Alors, juste ici en dessous de mon texte, j'ai la possibilité de rajouter soit une image, on l'a fait tout à l'heure un peu avec le titre, mais je vais alors rajouter quelques images. Alors, je peux ici avoir une bibliothèque d'images. Alors, je vais cliquer là-dessus. Là, je vais parcourir mes fichiers et je vais rajouter... Voilà, c'est 5 images. Ouvrir. Alors, maintenant, j'ai 5 images. Je pourrais les réorganiser à partir de là. C'est-à-dire créer une bibliothèque d'images. Et là, j'ai mes 5 images qui s'affichent. Encore une fois, j'ai des options d'affichage où est-ce que je peux décider comment vont mes images. J'ai aussi des options de différents styles. Comme là, par exemple, je suis en carré dynamique, mais je pourrais avoir style puzzle, je pourrais avoir pellicule. Alors, si je choisis pellicule, bien, ça réorganise mes images comme ça. Je suis plus petit. Alors, ça vous donne vraiment beaucoup d'options d'être immersé dans l'histoire. Là, pour l'instant, j'ai une photo, j'ai des images, j'ai du texte, plein de choses intéressantes comme ça. Mais un des éléments qui est évidemment clé de la carte narrative, c'est d'avoir une carte. Alors, on va tout de suite aller rajouter une carte. Alors, pour cela, on clique ici et je vais rajouter une carte et je vais aller faire un extrait d'une carte express. Donc, une carte qui va vivre dans ma carte narrative. Je pourrais aussi prendre une carte que j'aurais déjà préparée ailleurs sur la plateforme et que j'intégrerais. Mais dans ce cas-ci, on va aller faire une carte express. Alors, la carte express, on va aller cartographier quelques-uns des événements qui se sont passés pour nos manifestations, pour les grèves qui ont eu lieu à partir de 1972. Alors là, présentement, j'ai ce fond de carte-là qui est un petit peu triste. Moi, je vais aller le changer. Alors, on va ici dans les options. Alors, j'ai la possibilité de changer mon fond de carte. Et allons mettre un fond de carte, un fond de carte un peu historique. Alors, voilà. Alors, j'ai mon fond de carte historique. Et je peux aller ajouter ici des éléments. Alors, j'ai à gauche ici mes options pour aller sélectionner les objets et j'ai à droite des options de dessin. Je peux rajouter une pin, un point. Je peux rajouter un point numéroté. Je peux rajouter une ligne. Je peux rajouter une ligne qui a été dessinée à main levée, un polygone dessiné à main levée, un cercle, un rectangle, du texte et deux types de flèches. Alors, je vais y aller en rajoutant des numéros. Alors, je vais y aller avec numéro 1. Ma carte se passe, mon numéro 1, c'est en 1872, le mouvement pour une journée de travail de 9 heures qui a commencé à Hamilton, en Ontario. Alors, moi, je ne suis pas trop sûre Hamilton, c'est où. Alors, je vais aller dans la barre de recherche et je vais le taper. Alors, j'ai Hamilton et là, j'ai Hamilton, Ontario. Je clique et automatiquement, ça me zoome sur cette carte-là. Je pourrais tout simplement utiliser cette image-là, mais moi, j'avais décidé que je voulais les numéros. Alors, je vais aller mettre un numéro, voilà, et enlever cette étiquette. Maintenant, j'ai mon numéro. Donc, je reviens dans mes couches ici.
Alors là, je pourrais rajouter une image, du texte, une description. Je pourrais changer mon numéro. Tiens, mettons-le rouge. Et voilà. Alors, dans ce cas-ci, je vais juste simplement mettre, elle est très simple, mettre une description et dire mouvement. Mouvement pour une journée de 9 heures. De 9. Alors là, ça devient long, ma description, parce que là, c'est juste le titre. Alors, en fait, je vais le mettre ici, de 9 heures. Et ici, je vais tout simplement écrire début du mouvement. Deux points, 1872. Alors là, ça, c'est beau. Je peux dire terminé. Si je n'étais pas satisfaite puis je voulais le mettre aux poubelles, je pourrais faire ça. Si je n'étais pas satisfaite de où est-ce qu'il était ici, ben, je peux le rebouger ou je peux le mettre aux poubelles tout simplement. Alors voilà, terminé. Et alors j'en ai un. Ensuite, on va y aller avec un deuxième. Mon deuxième, je vais y aller avec 1966 à l'île du Prince-Édouard. Alors, même chose, je vais chercher île du Prince-Édouard. Et j'arrive sur l'île du Prince-Édouard. Et je vais aller mettre mon deuxième point. Et là, je vais tout simplement mettre la date ici, 1966, terminé. Et pour l'instant, je vais en arrêter là parce que ça prend quand même quelques minutes, puis je veux vous présenter d'autres choses. Alors, vous voyez que rapidement, j'ai mes deux points, j'ai de l'information. Dans mes options, je peux décider d'activer une légende pour qu'on voit la légende. Et voilà. Alors, je vais vous laisser, vous aurez le loisir d'explorer ça de votre côté plus tard. Et voilà, ma carte est ajoutée, tout simplement. Alors, rapidement, ça vous donne un aperçu de ce qui est possible à faire avec les cartes narratives et de comment on peut intégrer. Vous pouvez vous-même, évidemment, c'est d'aller faire le tour, d'aller chercher les options. Alors, si je reviens dans notre présentation aujourd'hui, vous avez aussi, vous aurez le loisir de vous aller explorer. On a des tutoriels qui vous permettent d'aller faire le tour. Alors, si je reviens, là, vous vous dites, c'est bien beau tout ça, mais comment je peux y accéder? Alors, ArcGIS est disponible pour n'importe qui au Canada qui veut, est disponible gratuitement pour n'importe qui au Canada qui veut utiliser les sigles et les outils avec des jeunes du primaire et du secondaire. Enseignants, enseignantes, conseillers, conseillères pédagogiques, les élèves eux-mêmes, tout le monde y a accès. Alors, c'est très simple, il suffit de se rendre sur notre site web et à partir de là, vous avez un gros bouton « Demander l'accès » que vous pouvez faire. Si vous voulez demander l'accès pour vos élèves, ben vous cliquez ici. Ce formulaire qui est assez simple, on a juste besoin de savoir où vous étiez, vous vous identifiez et puis on peut traiter la demande rapidement. Ensuite, une fois que vous y avez accès, on est toujours là pour vous, pour du support technique, pour de l'accompagnement. Par ça, vous pouvez accéder à travers, on a des billets de blog, on a un courriel où vous pouvez toujours nous écrire, on est présent sur les médias sociaux. Facebook, Twitter. On est disponible aussi pour faire du développement professionnel, surtout à travers les conseils scolaires ou les centres de services scolaires. Donc, on peut animer une formation d'une heure, d'une demi-journée, dépendamment des besoins. Et puis, on a un programme qui est d'ambassadeurs, d'ambassadrices des SIG. Donc, on a des gens qui peuvent venir, qui peuvent être un peu vos mentors. Puis vous accompagner dans l'utilisation des sigles en enseignement, soit en vous aidant à développer vos activités ou en présentant une activité. Souvent, ce sont eux-mêmes des professionnels qui travaillent comme géomaticiens, géomaticiennes et qui sont ravis de pouvoir partager leur champ d'intérêt. Vous avez aussi accès à notre portail de ressources pédagogiques où nous avons des activités qui sont déjà prêtes à utilisation en classe, ainsi que des tutoriels. Alors ça, c'est vraiment pour vous lancer. Mais quand vous commencez avec un compte, on vous fournit toujours aussi toutes ces informations-là et pour que vous puissiez bien les utiliser. Je vais d'ailleurs mettre dans le chat le lien vers ce document que je suis en train de vous présenter pour que vous puissiez y avoir accès facilement. Alors, les personnes qui sont là, et évidemment, le lien sera disponible à travers, voyons,
moment déterminant Canada pour les personnes qui visionneront le document après. Donc, c'est ça, ça a été un peu rapide comme présentation, mais ça vous donne un peu une idée. Et puis, dans le fond, après ça, c'est à vous de jouer. Et comme vous pouvez ici consulter, on a un groupe sur la plateforme qui s'appelle Ségalécode, carte narrative, carte et application pour l'éducation. Alors ça, dans le fond, c'est des documents qu'on met à votre disposition, que nous, on crée, mais aussi qui existent sur Internet, notamment des documents partagés par Moment Déterminant Canada, qui peut vous inspirer comme ça, que vous regardiez un peu quel type de carte narrative. Puis ça, c'est des choses aussi que vous pouvez regarder directement, utiliser directement avec vos élèves. Donc, les choses sont ici classées par catégorie, mais vous pouvez aussi juste passer à travers et vous inspirer pour vos propres projets. Ensuite, l'idée, comme je disais, pour pouvoir créer, pour pouvoir enregistrer et partager les documents sur la plateforme, mais ça vous prend un compte. Alors, c'est de faire la demande de compte et vous avez ici le lien vers le site web. Et puis après ça, vous pouvez commencer avec votre première carte narrative en nous-mêmes, utilisant le tutoriel « Découvre les cartes narratives », qui est un tutoriel qui fait un peu le survol de ce que je viens de vous montrer, étape par étape, vraiment avec des petites vidéos, avec des vidéos pour que vous puissiez vous-même explorer les choses. Donc, la première étape, c'est de se connecter. Puis après ça, d'ajouter du texte. Puis on vous suggère de naviguer exactement comme je viens de vous le montrer aujourd'hui. Ajouter une image, les cartes. Donc, voilà, c'est vraiment après ça à vous de vous lancer, d'essayer puis de voir ce qu'il y en est. Comme le mentionnait Amanda, les cartes narratives, c'est souvent très dynamique et très intéressant pour les élèves parce que non seulement ça leur permet d'avoir une approche très concrète au sujet qu'ils vont aborder, ça leur permet, évidemment, souvent quand on utilise la carte comme outil, ça permet d'ancrer l'information dans un lieu puis de donner plus de contexte. Puis ça, c'est vraiment valorisant puis positif pour l'apprentissage. Et aussi, le résultat est rapidement joli. Comme l'application permet de mettre des photos, de mettre du texte, ça donne un fini qui est très professionnel rapidement. Puis ça, pour l'élève, c'est motivant parce que sans avoir nécessairement besoin d'avoir des qualifications très grandes en art plastique ou quoi que ce soit, ça donne un document de communication de haute qualité et ce sont des outils professionnels. Donc, le fini professionnel vient notamment de là. C'est qu'il y a beaucoup d'organismes, d'organisations, de compagnies qui vont utiliser exactement le même outil qu'on met entre vos mains de façon professionnelle. Donc, voilà. Je vous laisse ici. J'ai mis le lien dans le chat. Et puis, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre site web qui est k12@esri.ca. Vous pouvez nous écrire à tout moment. On est à milieuscolaire@esri.ca. Et voilà. C'est pas mal ça que j'avais pour vous. On est à une minute de la fin. Je peux arrêter de partager mon écran. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup, Arabelle, pour c'est fou de voir. On vient de montrer, j'ai montré la carte de 1872. Il y a tellement de différentes fonctionnalités. Nous, on a travaillé dessus quand même assez longtemps pour faire la recherche, pour voir ça. Mm-hmm. Puis de voir un petit peu commencer à zéro, puis de la bâtir en live, en direct devant nous, c'est vraiment intéressant de voir. C'est simple, ça peut être un petit peu intimidant de le voir, mais le système est construit de façon tellement simple et intuitive que te voir le faire, c'est comme... Tu sais, aux gens, quand ils ont peur, je leur dis, si vous êtes capable de mettre quelque chose sur Internet, en général, si vous êtes capable d'aller sur Facebook puis de mettre une image ou du texte ou sur n'importe quel média social, vous avez les compétences nécessaires pour faire une carte puis pour comme c'est ça qui est le fun aussi pour puis souvent en enseignement les gens des fois ils ont peur puis ils sont pas nécessairement des spécialistes techniques ou tu sais ils sont pas des pros technologiques puis ben c'est pas nécessaire comme les outils sont là pour ça et en plus nous on est là aussi. Alors ça c'est un bonus
L'équipe est là pour accompagner les enseignants, les enseignantes. On est là, on répond aux questions en soutien technique. On fait de l'accompagnement quand les gens ont des projets de plus grande envergure, etc., pour que ça se passe bien. Puis, quand au bout d'un certain temps, on a beaucoup de demandes d'un type de ressources en particulier, bien, des fois, c'est ça qui aussi qui nous motive à avoir un nouveau tutoriel qui arrive. Parce que là, on a des demandes qui arrivent, puis c'est comme, OK, les gens ne comprennent pas trop ça, bien là, on crée un tutoriel sur ce thème-là. Et sans que ça soit des tutoriels complets et prêts, on a aussi beaucoup de documents que, tu sais, moi, faire une capture d'écran rapidement, de savoir où cliquer 1, 2, 3, bien, tu sais, des fois, ça me prend 3 secondes, bien, je vais l'enregistrer, je le mets dans un courriel, puis voilà, la personne a son truc, puis après ça, moi, je l'ai prêt, fait quand l'autre enseignant ou l'autre enseignante, 3 semaines plus tard, m'arrive avec la même question, bien, c'est déjà prêt, puis moi, ça me prend 4 secondes d'envoyer par courriel. Fait que c'est ça, tu sais, moi, je dis toujours aux gens, écrivez-nous, puis comme on va vous répondre. Puis pour nous, la question que vous, pour vous, si vous sentez nounoun ou comme, ah non, mais je ne veux pas déranger pour ça, mais si ça se trouve, la ressource, on l'a déjà. Fait que copier-coller ouais. Le lien vers la ressource dans un courriel ou de mettre la petite vidéo, ben pour nous, ça ne demandera pas nécessairement un effort très complexe. Oui, c'est bien. On encourage les gens à poser des questions puis à interagir. Mm-hmm. Puis ça aide les prochains, ça aide Ezri, ça aide tout le monde comme ça. C'est vraiment, c'est le fun de voir la simplicité puis le niveau d'implication que vous avez à Ezri. Puis nous, c'est quelque chose qu'on apprécie toujours du point de vue du Moment Déterminant Canada, du point de vue de créateur de contenu, on va dire. Mais nous, on crée les cartes pour les enseignants qui peuvent utiliser ça puis revenir vers vous avec. Donc, c'est vraiment, merci d'avoir expliqué ça. Merci à Amanda d'avoir parlé du point de vue pédagogique. Je l'ai entendu en anglais tantôt quand on l'a fait en anglais, mais tout le monde, à chaque fois qu'on entend, on entend des différentes affaires. Puis je trouve vraiment ça, c'est un système qui mérite d'être découvert puis mérite d'être utilisé parce que je pense que moi, en tant qu'étudiant, j'aurais vraiment, encore aujourd'hui, en tant qu'apprenant, c'est quelque chose qui me stimule plus souvent qu'un article, des affaires comme ça. Donc, merci à Ezri, à l'organisme Ezri Canada, de nous avoir invités, Defining Moments au Moment Déterminant Canada, à participer puis co-présenter ça parce que je pense que c'est vraiment deux organisations. On travaille ensemble puis on aime ça travailler ensemble puis c'est le fun de le montrer aux gens ce qu'on fait puis comment on se sert de ces affaires-là. Donc, merci Ezri Canada. Merci à Ravel très spécifiquement d'avoir pris le temps puis de nous avoir montré ça. Je sais que moi-même, personnellement, ça m'a aidé puis je fais ça presque à chaque jour. Fait que déjà, ça m'a aidé. J'espère que ça aidera les autres. Merci à Amanda d'avoir parlé du point de vue pédagogique, comme je l'ai dit. Puis merci à tout le monde qui était là. J'allais dire, si vous n'êtes pas là, vous allez pouvoir le revoir sur YouTube, mais si vous n'êtes pas là, vous ne m'entendez pas le dire non plus, donc je parle à personne. Bon, les saluts quand même, les gens qui nous verront dans le futur. Ouais, et sentez-vous à l'aise à nous écrire. Je vais juste remettre rapidement, peut-être à la fin, l'écran. Là, mais je vais mettre dans la description donc, YouTube. Donc, milieu scolaire à esri.ca. Et le lien, et encore une fois, c'est ça, nous suivre sur les médias sociaux. Là, moi, je suis en train de présenter, de partager mon écran que je ne partage pas. Alors, j'espère que vous êtes ravis de cette information visuelle que vous ne voyez pas. Mais je vais le mettre dans la description YouTube, on va le mettre sur les publications qu'on va faire, parce qu'on veut encourager les gens d'écrire justement pour interagir avec le contenu puis interagir avec nous. Mm-hmm. Parfait. Ben, je remercie encore tout le monde puis je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que votre journée est terminée. Puis si vous écoutez ça sur YouTube à 10h du matin, ça veut dire que votre journée doit terminer maintenant. Donc, j'espère que c'est... Allez, au revoir. Merci. Bye.